Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Nous sommes dans la playlist de points faibles et aujourd'hui, nous allons nous occuper de l'arrière des épaules, d'accord? L'arrière des épaules, c'est très important à bosser. Quand tu bosses ton dos, tu vas avoir ton dos complet. Il faut que ton arrière-épaule soit complet. Quand tu veux être plus esthétique ou que quand tu fais ta petite pose biceps, tu vas avoir une petite boule qui sort derrière. Il faut bosser l'arrière de tes épaules. Donc, on va faire un petit programme. Tranquillement, prépare-toi, moi tout est prêt autour de moi et je t'attends pour l'exercice numéro 1. Premier exercice, nous allons faire des élévations latérales arrière. Alors, c'est pas comme les élévations latérales standard. Là, tu vas mettre tes haltères légèrement en arrière et tu vas lever les haltères. Tu verras que tu vas pas faire un mouvement aussi beau et aussi haut que les élévations latérales. Tu vas faire plutôt un demi-mouvement. Mais c'est ça qu'on va faire et c'est ça qui va développer l'arrière de tes épaules. Allez, c'est parti pour du 4 fois 10 reps. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. Je mets, hop, mon petit trait. On est bon. Et mon temps de repos. Par contre, pour le temps de repos, on va prendre une minute. On va pas prendre une trente. C'est un petit exercice qui fait pas trop mal. Donc, ça va. Une minute de repos et bien repartir derrière. C'est largement suffisant. Ok? Je bois mon eau. Là, tu vois, là, j'entends qu'il pleut dehors. Je suis là, je suis un débardeur dans un garage non isolé. C'est pas très bon ça. Faut vraiment que je me chauffe vite. Oh. D'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs personnes de pays différents que la France qui regardent ces vidéos. Et c'est incroyable. Je vous remercie énormément. Vous m'envoyez énormément de commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube même. Pour me dire que ouais, vous venez de là, vous venez de ci, vous venez. Franchement, c'est incroyable. Je pensais pas qu'on allait sortir de la France avec ces vidéos. Allez, on y va pour la deuxième série. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Hop, je mets mon temps de repos. Et mon deuxième trait, on est bien. Ouais, comme je disais, je pensais pas que j'allais sortir de la France et que j'allais avoir plusieurs personnes qui allaient regarder, que ce soit du Canada ou alors de la Belgique ou quasiment dans toute l'Afrique aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que pour moi, c'était à partir du moment où j'allais arriver à 10 000, 20 000 ou 30 000 abonnés, voire 100 000. Mais là, non, je suis à 3 000 abonnés. Il y a déjà du monde un peu de partout qui regarde. Et c'est un truc de fou. Et ça, je vous en remercie énormément pour ça. Déjà, pour moi, à la base, je suis de Paris. Je me suis dit, c'est que les gens de Paris qui vont regarder, tu vois. Mais en fait, non. Quand tu es sur YouTube, ça peut aller très vite, ça peut aller très très loin. Et si j'arrive à motiver autant de personnes, ben, je suis content, je suis vraiment content. Je vous en suis très reconnaissant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me remercient, moi, et moi, je vous remercie, vous. D'accord? Bon, là, on arrive déjà à une minute. Les remerciements sera pour plus tard. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, temps de repos, troisième. Il en reste une dernière. Et après, on passera à l'exercice numéro 2. Oh. Là, je suis KO. Je suis vraiment KO. Parce que j'essaie de faire en sorte de te faire de bonnes vidéos, programmes pour ce mois de mai, mais c'est tendu. C'est tendu. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de projets. Et mon but à moi, c'est la chaîne YouTube avant tout, d'accord? C'est de faire grossir la chaîne, c'est de m'occuper de la chaîne. Et je vais tout faire, je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir faire les choses bien pour vous, d'accord? Pour la chaîne, faire du contenu, que tout soit complet, que tout soit carré et que toi, tu peux faire tes programmes dans ton coin tranquillement. Je regarde beaucoup le temps parce que une minute, ça passe vraiment vite parce que là, on est déjà à 50.
On va repartir. Allez. Allez, on repart. C'est la dernière. Allez, on y va. Une, deux, trois. Allez, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, super. Je pose les haltères. Je mets mon dernier trait. Je mets mon temps de repos. Tu prends deux ou trois minutes de repos et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on va faire du développé militaire arrière tranquillement avec haltères. Moi, j'ai pas remonté mes charges, d'accord? Mais toi, remonte tes charges si tu vois vraiment que le mouvement est trop facile. Et encore une fois, comme on est sur un mouvement arrière-épaule, c'est pas un mouvement qu'on a l'habitude de faire. Si t'as pas l'habitude de faire, garde une charge plutôt basse. On va se faire 4 fois 10 répétitions aussi. C'est parti. Hop. Hop. Là, c'est une position de développé militaire. Tu mets légèrement les haltères derrière ta tête et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop. Temps de repos. Et mon trait. Alors, tu peux me dire, ouais, Dams, j'ai fait ton programme type dos, trapèze, arrière-épaule. Et là, je fais le programme point faible arrière-épaule. D'accord? J'ai deux fois le développé militaire arrière. Et ben, tu vas le faire quand même. Tu l'as deux fois, tu l'as trois fois, tu l'as quatre fois. Tu vas le faire quand même. Parce que dans mon programme dos et dans mon point faible dos, tu as le bûcheron et le rowing qui revient. D'accord? Sous forme différente, mais ils sont quand même là. Tu refais parce que les exercices que j'ai choisis avec haltères sont les meilleurs exos que tu peux faire. Et ce sont des exos que moi je fais en salle de sport pour progresser. Donc c'est très important. Repos, je vais aussi prendre une minute. Je ne l'ai pas dit, mais je vais aussi prendre une minute. Toi, si tu prends un peu plus, prends un peu plus. Mais moi, je prends une minute. Tu peux prendre une transe grand max pour cet exercice-là parce qu'il peut être un peu difficile. Et moi, je repars parce qu'on a une minute pile. Alors, comme je t'ai dit, hop, tu te mets dans cette position-là, tu décales un peu les haltères derrière ta tête et on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Pour le moment, on est très, très bien. Je vais faire quelques vidéos aussi hein, en salle de sport. Il n'y aura pas que du programme au mois de mai. Il y aura des vidéos en salle où je t'expliquerai quelques trucs comme maintenant, normalement, les salles vont ouvrir le 9 juin. Bah voilà, il faut que je puisse t'aider en salle. Il faut que quand tu arrives en salle, tu te dis voilà, Dame s'y m'aide. Tu vois, Dame c'est là. Il m'aide avec des petits programmes en salle et il pourra me donner des tips et des conseils. D'accord ? Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour t'accompagner à la maison, à faire des programmes ensemble, on se défonce ensemble. Et en salle de sport, si tu as des renseignements, si tu veux faire des trucs, si tu veux progresser, ben je peux t'aider et t'aiguiller sur ça. C'est très important, d'accord? Donc, je verrai ce que je vais faire par rapport à ça. 55 secondes, je vais arrêter le chrono et me préparer pour ma troisième série. Ok, alors, hop, on se met comme ça, halter derrière la tête et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Ça commence à faire mal, mais c'est de la bonne douleur, c'est de la douleur de l'effort. C'est très important. Oh. Mais j'ai quand même un peu peur, je te cache pas. J'ai quand même un peu peur de la réouverture des salles de sport le 30 juin. Parce que là, on nous parle d'un variant indien qui vient de je ne sais pas où. Tu vois, qui vient d'Inde. À cause, enfin, il y a des touristes, ils étaient en Inde, ils sont venus en France. Et ils ont un variant indien, ils sont.
Tu vois, là, ça commence à m'énerver, ça. Les gens, ils partent en vacances, alors qu'on est confiné, ils reviennent, ils ont des variants, eux, et ils transmettent à toute la France, et du coup, plus personne peut aller à la salle. Franchement, c'est n'importe quoi, et je me demande si vraiment on va s'en sortir de tout ça. Et j'espère vraiment qu'on va s'en sortir, parce que moi, je veux que tout le monde puisse aller à la salle, d'accord? C'est important. Et là, je vois que les 58 et on va repartir. C'est très important. Ce qui est chiant, c'est que le problème d'une minute, on peut pas trop discuter parce que tout va vite. C'est parti. Alter derrière la tête et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf et dix. Ok, très bien. Oh. Je mets mon. Maintenant, je mets pas de temps de repos aussi. Je mets mon temps de repos pour les 2 minutes que moi je vais prendre. Et après, on est bon. Bon, comme je viens de le dire, tu prends 2 minutes de repos ou 3 si vraiment tu es claqué, tu es fatigué. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, on va se faire du oiseau haltère. Là, c'est simple. Tu vas te mettre comme ça. Tu prends tes haltères. Et bam, ok, tu vas bien envoyer. Je sais qu'il y en a, ils sont souples. Il y en a, ils mettent leur tête dans leurs jambes et tout. Non, à partir du moment où tu te baisses comme ça, on est bon, d'accord? Non, on n'est pas les gens souples de ouf, mais ça marche aussi comme ça, ok? Tu fais comme tu le sens, avec la souplesse que tu sens. Mais ça, c'est un très bon exercice de finition dos, arrière, épaule. On y va pour 4 fois 10 répétitions. C'est parti. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Hop, je mets mon temps de repos. Et mon petit trait, c'est très important parce que sinon, je vais faire une rep en moins ou une rep en plus. Et c'est pas ce qu'on veut. Oh. Oh. L'oiseau haltère en salle de sport, j'aimais bien le faire avec un exercice de type rowing haltère. Bam, après je m'assois, oiseau haltère, je me sentais plutôt bien. Et je pense que dans mes entraînements en salle, tu verras beaucoup ce mouvement, je pense. Tu verras beaucoup de oiseau haltère, c'est très important, d'accord? Parce que moi, je suis en train de me tâter, à savoir, est-ce que je fais une transformation physique de type sèche, d'accord, de type sèche ou de type régime, tu le prends comme tu veux, ou est-ce que je reste comme ça, en mode bulk ou bulk ou peu importe comment les gens disent, parce que ouais, je me tâte, et il y a moyen de faire un beau truc. Là, on arrive à 1 minute, sachant que je pars à 1 minute, je peux prendre 1 minute 30, et on se revoit après, mais moi, je pars à 1 minute, c'est très important. Allez, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Hop, je balance mon temps de repos et je mets mon petit trait. Alors, je te disais, est-ce que je fais une petite sèche, d'accord? Ou un petit régime? C'est possible parce que je prépare un programme qui va s'appeler Summer Body, d'accord? Genre le corps pour l'été, d'accord? Le corps bien sec et tout. Je prépare un programme comme ça. Et ce programme va tellement me fatiguer, il va tellement brûler des calories que je me dis, si je fais une diète en même temps, c'est sûr que je vais changer, d'accord? Donc, à voir. À voir, à voir. Mon problème avec moi, c'est que j'aime beaucoup manger, d'accord? Et j'aime bien envoyer des charges lourdes en salle de sport. Et le fait d'avoir moins de force, le fait de soulever moins lourd, ça me frustre à la salle sans que je m'entraîne avec des potes qui soulèvent lourd. Et moi, j'ai un problème d'ego avec ça et c'est pas bon. Et on y va pour la troisième série. C'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, hop, je balance mon repos. Troisième. Tu vois, ça va vite. Ça va vite. Le programme, il est presque fini.
Je sais pas, il dure combien de temps, mais il est presque fini. T'as un temps de repos, t'as une séance complète et structurée, ça va vite, tu vois. Il y en a, ils ont la flemme de faire du sport, ils sont là, ils disent ouais, non et tout, mais ça aide et c'est important. Si tu fais ta séance, on parle, on discute, j'envoie, j'accorde une blague ou deux, je suis là, je t'accompagne jusqu'à la fin et toi t'évolues, d'accord? Et c'est ça le plus important, c'est gratuit et t'évolues. Après voilà, je suis désolé, pour l'instant j'ai pas les moyens de faire un truc de ouf dans un studio tout blanc et tout. Je suis là, je fais des exercices. Non, là je suis dans un garage, il y a des poussettes derrière et tout. Mais t'inquiète pas, plus on va monter, plus je te proposerai de la qualité visuelle et tu seras bien, d'accord? Parce que moi, ces trucs là, j'aimerais te les proposer gratuitement et en bonne qualité. Pour l'instant, je suis obligé de faire avec ce que j'ai. Mais t'inquiète pas, la suite, on va faire les choses bien, c'est important. Et c'est la dernière, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Oh. Bon, ce programme arrière-épaule est terminé. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait mal. Ce programme-là, tu peux le faire avec ta séance dos et je te conseille de te le faire avec la séance dos ou alors avec la séance pec, épaule, ça peut être pas mal. Et voilà, avec ça, on est bien, t'auras un très bel arrière-épaule et tu seras complet au niveau du dos, c'est très important. Si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.